Les Iraniens ont commencé à voter pour élire leurs 290 députés. Plus de 48 millions de personnes sont appelées aux urnes. L'un des premiers à s'y être rendu était le guide suprême. L'ayatollah Ali Khamenei avait récemment appelé le peuple à se rendre massivement aux urnes pour donner une gifle aux ennemis du pays. Il a entonné le même refrain ce matin. Actuellement, il y a beaucoup de menaces contre le peuple iranien. Vous les entendez partout. Les puissances arrogantes qui ont échoué dans différents domaines, elles ne cessent pas de faire du bruit. Le scrutin est boycotté par les principaux mouvements réformateurs et se résume à une confrontation entre deux clans conservateurs, celui du guide suprême et celui du président Mahmoud Ahmadinejad.